Roger Jourdain habite à Ambert. Il a toujours été passionné par la photo et lorsqu'il sort dans le livre à doigts en hiver, sa tenue est vraiment celle d'un chasseur d'images. Je prends ce style de vêtement qui est spécial pour la chasse photographique et qui est en peau de velours. Ce qui fait que quand on se déplace, on ne fait pas de bruit. Il n'y a pas le frottement des habits dessus. De plus, il est très intéressant parce qu'on a des genouillères et souvent, on se met à genoux et ça amortit le choc. La première chose, c'est la nature. Ça, c'est sûr. Nature, wildlife, surtout. Bon, j'aime bien aller en Afrique. J'ai fait beaucoup de safaris, plus de 20 en Tanzanie, 5 au Kenya, au Botswana, en Afrique du Sud et même en Inde. Et je fais aussi de la photo animalière chez nous. Un bon photographe nature ne doit pas seulement déclencher, il doit observer la nature. Et on passe de grands moments à observer la vie des animaux, la vie des mammifères, tout ça, avant de voir bien faire une super belle photo de comportement. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime faire de la photo nature dynamique. Regarde, papy, tu fais un grand sourire. Mimi. Je travaille le portrait en studio, mais pas que le portrait. Je fais aussi, j'amène des musiciens qui viennent dans mon studio. Et là, c'est vraiment, bon, ils sont pas... Ils ont leur batterie, ils ont leur guitare. Bon, ils jouent pas, ils font semblant de jouer, mais ils amènent leur musique en même temps. Et ils sont francs-fous, ils secouent. Moi, ce que je préfère, c'est les musiciens de hard rock, hein, parce que ça dégage. Que ce soit pour les portraits, les photos nature ou reportages, Roger Jourdain a obtenu le titre décerné par la Fédération internationale d'art photographique de Best of the Best en 2016, ce qui correspond en quelque sorte au titre de champion du monde toute catégorie. Quelques années avant, il avait obtenu celui de photographe nature, ainsi que celui décerné pour le portrait, Best of the Best étant le plus prestigieux. Best of the Best, c'est la première fois qu'un Français obtient ce titre. Attention, de la FIAP gère 1 500 000 photographes professionnels et amateurs. Sa maison est d'ailleurs remplie de récompenses glanées au fil des ans dans les concours internationaux. Il lui a fallu s'organiser pour pouvoir les ranger car il y en a plus de 1 600. Dans cette vitrine, vous voyez les plus grands trophées, les médailles d'or FIAP et tout ça. Mais j'en ai aussi pas mal dans ces tiroirs parce que j'ai plus de place. Alors j'ai trouvé une astuce pour classer toutes mes médailles par continent. Vous avez l'Europe, l'Asie, l'Amérique du Nord, Amérique du Sud et Océanie et Afrique. Et tous ces tiroirs sont pratiquement pleins de trophées. Roger Jourdain se rendra cet été au congrès de la Fédération internationale en Afrique du Sud où lui sera remis son trophée. Il peut s'enorgueillir d'être le photographe français ayant reçu le plus de distinctions dans les concours du monde entier.